presque envie de dire, d'une maladie chronique. Je le dis d'ailleurs, d'une maladie chronique. Et je cite au passage un grand philosophe, Georges Canguilhem, résistant, qui fit de la résistance pas très loin d'ici d'ailleurs, médecin, qui a créé un hôpital de campagne dans le Maquis, là, du centre de la France, et qui ensuite est devenu philosophe. C'est une philosophie de la médecine. Et qui disait, l'homme est l'être qui a la volonté et le pouvoir de se rendre malade. Canguilhem disant, la maladie, c'est bien. C'est ce dont on peut apprendre quelque chose. Et la vraie santé, il était d'ailleurs très proche de Nietzsche lorsqu'il disait ça, la vraie santé, c'est d'être capable d'être malade. Il dit, quelqu'un qui est en bonne santé, c'est quelqu'un qui est capable d'être malade. Si vous êtes en mauvaise santé, que vous êtes un peu grippe, hop, vous pouvez aller direct dans le caveau de famille. Mais si vous êtes en bonne santé, la grippe va vous faire éprouver quelque chose, va vous faire vivre une expérience de la maladie. En fait, Canguilhem a une pensée de l'homme qui est que tout ce qu'il fait est une sorte de maladie. Dont on peut apprendre quelque chose, mais qui peut aussi être fatal, bien entendu.